L'activité qu'on vous a fait réaliser en début de module qui utilisait Mentimeter, c'est un nuage de mots. C'est une stratégie qui est très efficace quand on a des concepts simples et si les apprenants sont engagés. Et pour que les élèves soient engagés, la clé, c'est le choix du déclencheur. Ça tombe bien! J'en ai plein ici! Une façon intéressante de le faire, ça peut être d'introduire un événement inattendu. Donc, un événement se produit, puis on leur demande de réagir à cet événement-là. Vous allez en voir un exemple dans la section 3. Mais on peut également avoir recours à toutes sortes de médias. Ça pourrait être une photo, ça pourrait être un livre, ça pourrait être une vidéo, etc. Une odeur! Donc en gros, on présente un déclencheur stimulant, les élèves associent librement, puis on note ces associations-là de façon numérique. Si on s'arrête là, c'est bien beau, mais il nous manque une étape primordiale. En fait, on n'a pas vraiment fait le lien entre les connaissances des élèves et les connaissances à venir. Alors, pendant le retour, la personne enseignante doit questionner les élèves, les amener à préciser leurs réponses, commenter les réponses les plus fréquemment obtenues, mais surtout commencer à tisser des liens avec les contenus à venir.